La protéger de la déesse. Que la déesse te protège, Aloy. Ceux qui ont versé le sang de notre tribu paieront de leur vie leur profanation. Elle est sortie de la montagne, radicalement changée. Elle est l'élu. Aloy ? Est-ce que... tu es entré dans la montagne ? Tu as vu ce qui s'est passé. Mon champ de vision est assez réduit depuis le sol, tu sais. J'ai toujours su que tu étais différente. Mais ça... Ne va pas commencer à m'appeler l'élu ou je sais pas quoi, Teb, d'accord ? Je comprends, Aloy. Mais tu ne m'empêcheras pas de penser ce que je pense. Aïe. C'est au tour des autres de combattre maintenant, Teb. T'as déjà fait plus que ce que n'importe quel autre tailleur aurait fait à ta place. Je comprends, Aloy. Mais tant que la guerre ne sera pas finie, je continuerai. J'ai entendu ce que tu as dit pour Méridian. Je te verrai là-bas. Gardez. On se retrouvera à Méridian. En attendant, je vais me reposer. Elle a été élue par la déesse. La tribu que je servais n'est plus. Je la rejoindrai bientôt. Les Nora ont perdu trop de membres, Resh. Mais sans toi, j'imagine qu'ils survivraient. Maudite soit la déesse, et maudite sois-tu. Je n'ai plus rien à faire ici. Pour une fois, on est bien d'accord, Resh. Il est temps que tu voles de tes propres ailes. L'élu va payer à ses meurtriers tout le mal qu'ils ont fait aux Nora. Nous a démontré la miséricorde de... Aloy, je ne sais pas quoi dire. Dis-moi que tu me retrouveras à Méridian. Bien sûr, c'est évident. Mais le reste... C'est compliqué. Je sais. Peut-être que si je t'emmenais au cœur de la montagne... Non. Enfin, plus tard. Je ne sais pas. Surtout ne me juge pas, Aloy. Mais c'est toi que la déesse a choisi. Pas moi. Oui. Bon, il est temps que j'y aille. J'ai toujours su que t'étais pas comme les autres. Toi non plus, Varl. Peut-être, si on survit à tout ça, je te montrerai ce que je sais. Ce que j'apprends. Peut-être. Si la déesse le veut. On se voit à Méridian. Mais par la force de la déesse, nous nous dressons toujours fièrement. Tu es vraiment dans les bonnes grâces de la déesse, Aloy. Je t'ai vu entrer, comment t'as fait ressortir. Silence, Anna. Mais je n'en reviens toujours pas. Laissez-moi. Toi qui étais une paria. Laissez-moi. Et voilà devenue... Eh bien, je ne sais pas, en fait. Elle est si jeune et elle a tellement de responsabilités. Aloy, comment t'as fait ça? On te rejoindra à Méridian, Aloy, et je prendrai la lance de mer. Arana. Ton père a raison. Vous devez rester ici. Tous les deux. Les assassins seront oubliés de la déesse. Aucun de leurs lâches méfaits survivront dans sa mémoire. L'élu va explorer. Aloy, comment t'as fait ça? Silence, Arana. Je mènerai un gros guerrier à Méridian. Tu as ma parole. Et a été élu par la déesse en personne. Élu. J'ai mal interprété les signes. Pardonne-moi. Je te l'ai dit, Lantra. Je ne suis pas l'élu. Les meurtriers ont commis des atrocités. Je suis désolée de ne pas t'avoir reconnu. Ce n'est toujours pas le cas. Tu ne le peux pas, Lantra. Je t'en prie, pardonne-moi. Relève-toi, Lantra. Vis plutôt debout et ouvre les yeux. Nous ne saurons jamais ce qu'elle a vu dans la montagne. Je crois pas que nous soyons vrais. C'était... Il reste de la corruption. J'avais jamais rien vu de pareil. Mais elle sera expurgée. L'élu s'en... Bien sûr. Je n'étais jamais entré dans la montagne sacrée. Les meurtriers ont... Jusqu'à aujourd'hui. Mais par la force de la vie. Nous nous dressons toujours. Alors, comment tu as fait? Tu es entré au cœur de la montagne. Fracassant le roi métal. Ton destin doit être différent du nôtre. De toute corruption.
tu es aimé de la déesse. Nous avons perdu de nombreux Nora au Manzas. Mais ils n'ont jamais ébranlé. De toute ma vie, je n'ai jamais rien vu de pareil. Ceux qui ont versé le sang de notre tribu paieront de leur vie leur profanation. À l'image de la... Je vis depuis bien longtemps. Mais je n'avais jamais rien vu de pareil. Tirsa avait raison. Tu es une bénédiction, pas à l'inverse. Mais nous ne savions pas. La corruption se répand au-delà des terres sacrées. Alors, oh, yes. C'est gentil à toi de bien vouloir passer un moment avec moi avant de partir. Tous les doutes se sont envolés. Tu es une vraie bénédiction, la volonté de la déesse, faite chair. C'est loin d'être aussi simple, Tirsa. Mais on va dire que ça me va. Je sais que le chemin qui t'attend sera périlleux. Tuer un démon de métal, c'est impossible, mais... j'ai foi en toi. Merci. Lenora ont enduré de terribles pertes, Tirsa. Que va-t-il advenir d'eux maintenant ? La décision revient à la déesse. Elle seule connaît l'avenir. Pour le moment, mes sœurs matriarches et moi nous occuperons des blessés. Et comme promis, tous ceux qui voudront être à tes côtés à Méridian seront nommés chercheurs. Je pense que pour l'instant, il est préférable que nous restions dans la montagne, près de la déesse. C'est sans doute mieux. En cas de problème, vous pourrez au moins vous défendre. Tirsa, je veux connaître l'histoire de Rost. Pourquoi il était un paria ? Il n'a jamais voulu me le dire. Il disait avoir fait vœu de silence. Qu'avait-il fait ? Oh... oui, ça... De quoi était-il coupable ? Je vais te le dire si tu le souhaites. Mais c'est une histoire très longue. Es-tu vraiment sûr que ce soit le bon moment ? Depuis le temps que j'attends. Je t'écoute. Rost n'a jamais commis aucun crime. Il a choisi d'être paria. Quoi ? Je comprends pas. Il y a bien longtemps, avant le dysfonctionnement, avant les raids rouges, un gang d'assassins étrangers au nombre de 12 nous ont attaqués par surprise. Ils ont fait des prisonniers à la veillée de la mer, puis ont continué en route pour la soif du démon. La veillée de la mer ? Où est-ce ? Tu le connais sûrement sous le nom de village abandonné, près de la frontière Karja. Mais à l'époque, de nombreuses familles y vivaient. Rost notamment. Sa compagne fut tuée en combattant les assaillants, et sa fille faisait partie de ceux pris en otage. Sa fille ? Mais comment elle s'appelait ? Alana. Elle venait à peine d'avoir 6 ans. Les braves Nora n'ont pas réussi à arrêter 12 étrangers ? Ni à sauver les otages ? C'était presque impossible. Nous étions plus nombreux. Mais à chaque fois qu'un brave parvenait à s'approcher, les étrangers exécutaient un otage. Et ils étaient venus pourquoi ? Nous ne l'avons jamais su. On n'a jamais pu s'en approcher assez pour les observer. Ils ont établi un campement vers la soif du démon pendant 2 jours. On dit qu'il s'en échappait des bruits étranges. Et puis, aussi vite qu'ils étaient arrivés, les assassins sont repartis vers la frontière et ont disparu. Qu'est-il arrivé à la fille de Rost ? Ils l'ont... tué ? Rost faisait partie des braves qui ont pisté les étrangers, à bonne distance. Il y avait 6 otages encore en vie quand ils ont atteint la frontière. Alana en faisait partie. Mais au lieu de les relâcher, les barbares leur ont tranché la gorge, abandonnant les corps de l'autre côté de la frontière pour nous narguer. Pourquoi ? Par cruauté. Ils savaient que les pieux Nora ne sortiraient pas des terres sacrées pour récupérer les corps, ni pour les poursuivre. Ils se croyaient à l'abri de notre vengeance. Tu veux dire que Rost les a poursuivis ?
Qu'il s'est exilé ? Non. Rost était dévasté par le chagrin, mais il n'aurait jamais brisé notre tabou. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait appel au rite le plus terrible et le plus secret de la tribu Nora. Il a demandé à devenir un cherche-mort. Un cherche-mort ? Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un qui meurt pour partir en quête, et qui, dans cette quête, apporte la mort à d'autres. Le rituel sépare l'esprit du corps du candidat, le remettant aux bons soins de la toute-mère. Le cœur bat, la tête pense, mais l'esprit n'est plus là. Je ne comprends pas. Rost a poursuivi les assassins. Mais son esprit n'est pas parti. Il est resté ici, avec la toute-mère. Il a pris les corps à la frontière et les a ramenés. Et puis, il est parti en chasse, pas en tant qu'exilé, mais comme arme vengeresse, telle une flèche de mort acérée, sans aucun retour. Mais Rost est revenu. En effet, il est revenu une année plus tard, et gravement blessé. Il s'est effondré à la frontière des terres sacrées. C'est un groupe de chasseurs qui l'a trouvé. Il délirait. À l'agonie. De fait, ils auraient dû le laisser mourir. Mais une chasseuse a brisé le tabou. Et elle a tendu le bras derrière la frontière pour le tirer jusqu'à elle. C'était qui ? Une brave, dont le compagnon et les deux fils avaient été tués par les assassins traqués par Rost. Alors, Rost n'a jamais accompli sa mission. Au contraire, il a tué les 12. Après les avoir pistés partout dans le monde, il disait. Méridien, Banur, la Requête, les terres Utaru, plus loin même, dans l'Ouest interdit. C'est sa dernière proie qui avait failli le tuer. Blessé, il a titubé, puis il a rampé jusqu'à nous. Il espérait ainsi mourir le plus près possible des terres sacrées. Il ne s'attendait pas, ne cherchait pas à être ramené sur notre territoire pour recevoir des soins. On a choisi pour lui. Nous laissant, les matriarches, sans trop savoir quoi faire. Pourquoi ne pas l'avoir réintégré ? Rost avait été fait cherche-mort à l'œil. Il n'avait plus sa place au sein de la tribu. De fait, il aurait dû être expulsé. Mais nous n'aurions jamais pu nous y résoudre, alors nous avons dû faire un compromis. Vous en avez fait un paria ? Oui. C'est ce que nous avons proposé, à condition qu'il ne parle jamais à quiconque de cette exception. Après tout ce qu'il avait fait, toutes ses souffrances, vous l'avez récompensé en faisant de lui un paria ? Rost était enchanté. Il n'aurait jamais cru pouvoir revivre un jour dans les terres sacrées, encore moins dans l'étreinte, aussi près de la déesse. Il a choisi de passer le restant de ses jours dans la solitude. Et il en était heureux. Mais vous m'avez trouvé. Vous m'avez confié. Oui. Un autre compromis. Les matriarches te craignaient et ne voulaient pas que tu sois élevé par la tribu. Nous avons donc contacté Rost. Je savais qu'il s'occuperait de toi, qu'il t'élèverait, qu'il t'apprendrait à vénérer la toute-mère et à respecter nos coutumes. Il a bien essayé en tout cas. Rost, un homme qui avait perdu sa fille, vous lui mettez un nourrisson dans les bras. Tu ne trouves pas ça un peu cruel ? J'ai l'impression que tout ce qui s'est passé récemment a prouvé la sagesse de ce choix. Et je suis persuadée que dès l'instant où il a posé les yeux sur toi, il t'a considéré comme un don, jamais comme un fardeau. Merci, Tirsa. C'est une sacrée histoire. Il est temps pour moi de partir. Je te remercie d'avoir fait ton possible pour m'aider. Toutes ces années. Et de m'avoir parlé de Rost. J'aurais voulu pouvoir faire plus. Mais je ne suis qu'une femme seule. Tout comme moi.
Il n'y a vraiment pas de quoi rougir. Oh. Merci, Aloy. Je prierai pour toi. D'accord. Ça peut pas faire de mal. Mais la corruption au-delà des terres sacrées, est-ce possible? Même pour une élue? Les meurtriers ont commis des atrocités. Mais par la force de la déesse, nous nous dressons toujours fièrement. Ceux qui ont versé le sang de notre tribu paieront de leur vie leur profanation. L'élu. Mais... Nous avons perdu de nombreux honorables. Mais ils n'ont jamais été. Elle marche à nos côtés. L'élu de la Toute-Mère en personne. La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires. Construit tout ça. Tout seul. Tellement de souvenirs. Ce n'est plus chez moi. Pas sans Rost. Il n'y a plus rien pour moi par ici.
Salut, Rost. Il faut que je te raconte. Donc, je suis entrée dans la montagne. Tu te souviens la veille de l'éclosion? La dernière leçon que tu m'as enseignée? Tu m'as dit que je devais servir une cause qui me dépassait. Eh ben, je crois que j'ai trouvé. C'est cette même cause qui animait Elisabeth et Gaïa, pour laquelle elles étaient prêtes à mourir. Voilà. J'ai trouvé mon destin. Pour Elisabeth et Gaïa. Et pour toi. Bon. J'ai un système de sécurité à retrouver. Il faut que j'y aille. À la prochaine, Rost.